Bonjour à tous les amis, c'est Gamin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Underfed V1 pour une petite présentation de ce serveur Minecraft Faction Farm Twin qui va ouvrir le 18 janvier à 14h. Donc clipez c'est play.underfed.com, donc n'hésitez pas à le rejoindre du coup le 18 janvier à 14h, donc tout le monde, c'est ouvert à tout le monde du moins, au craqué ainsi qu'au premier, donc n'hésitez pas à venir, ça ferait extrêmement plaisir. Bon, aujourd'hui, donc je vous présentais, comme je vous ai dit, la globalité du serveur, tout ce qui est autour des nouveautés qu'ils ont mises. Je vais pas vous expliquer globalement ce que c'est le faction. Je pense que j'ai fait assez de vidéos dessus, si jamais vous voulez aller voir. Il y a plein d'autres vidéos qui existent, enfin du moins qui sont publiées sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez les voir pour savoir ce que c'est le faction, du moins voilà, par rapport à ça. Bon, moi je vais commencer déjà par, au niveau de la base du serveur, on va commencer par le tout ce qui est autour des events. Donc au niveau des events, donc tac, si je fais clic droit ici, donc on peut voir le planning, donc c'est pas un planning qui est fixé. Voilà, donc ne vous fiez pas à ça. Donc par exemple, il y a déjà l'event chest qui a été acheté au thème, ainsi que volcan, et je crois que j'ai fait, et cache, pardon, et l'event purge. Donc l'event volcan, donc c'est un volcan qui va spawn, du coup voilà, enfin du moyen, c'est un petit volcan qui spawn, et c'est un event dans lequel vous pourrez récupérer certains trucs. L'event purge, donc c'est un endroit, donc enfin du moins c'est un événement qui va durer, si je dis pas de conneries, une heure, et ça doit être durant la nuit, une ou deux heures je crois. Mais du moins, c'est un événement durant lequel tous les endroits ne seront pas safe à part un tout petit carré de ce qu'il m'a dit le fondateur. Et du moins la résistance des blocs d'obsidienne sera divisée par 2, sachant, il me semble, ils doivent passer du moins à 5 explosions au lieu de 15 explosions de base. Et à l'inverse, par exemple, la moussie cobblestone, donc celle-là, elle passera à 30 explosions, enfin du moins il faudra l'exploser en 30 coups avant qu'elle se détruise. Du coup voilà, donc ça se jouera au niveau des protections. Donc ça, je trouve ça vraiment assez stylé. Puis après, comme de base, donc tout ce qui est totem et KOTH, ça vous avez l'habitude. Il y a plein de vidéos qui existent là-dessus. Enfin, du moins, c'est un petit event PVP. Enfin, bref, voilà par rapport à ça. Et puis, l'event chest, au passage, c'est un event largage en Warzone. Il y a des coffres qui spawnent. Et du coup, voilà par rapport à ça. Bon, après, au niveau de tout ce qui est au niveau des events, le KOTH géant, donc ça, c'est un deuxième KOTH qui a été rajouté. En gros, le KOTH géant, c'est un KOTH qui a été revisité, qui dure toute une après-midi, pratiquement, je dirais. C'est-à-dire que c'est un gros KOTH de capture qui dure plus d'une heure à deux heures. Et ça, c'est vraiment stylé. Donc, pour les personnes qui ont vraiment envie de PVP toute l'après-midi, eh bien, vous avez un événement fait pour, justement. Donc, voilà, donc là, vous avez tous les points que ça vous rapporte, du plus faible au plus gros. Du coup, voilà, par rapport à ça. J'ai pas extendu au niveau du Eleven Cache, c'est un event au passage où justement les items se vendront moins cher que d'habitude, mais à l'inverse, vous allez pouvoir gagner des points classement juste avec, d'après ce que j'ai compris, et d'autres récompenses, du coup voilà par rapport à ça. Au niveau des récompenses de vente, il faut savoir que tous les mois, donc le premier gagnera 50€ PB, le deuxième 30€ PB, le troisième 20€ de PB, et le quatrième et le cinquième 10€ de PB, du coup voilà par rapport à ça. Après, au niveau du coup du faction top qui sera réalisé tous les mois, il y a quand même un assez gros cash prize, donc 75€ pour le premier, 25€ PayPal pour le deuxième, pour le troisième il y aura 50€ en point boutique, pour le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième il y aura 20€ de points boutique, ce qui est vraiment énorme. Donc vraiment un gros classement compétitif et vraiment assez stylé, donc ça je trouve vraiment ça pas mal. Du coup encore une fois voilà pour ça. On va partir sur tout ce qui est partie info, donc en général. Du coup les underperles, il y a un cooldown de 15 secondes, les invisibilités pardon, à son off en combat, et la durabilité de l'obsidienne est de 15 explosions. Le stockage des AP est interdit, les farms dans les AP sont interdits, les pièges d'AP sont interdits, les claims c'est 2 par faction, du coup voilà par rapport à ça. Les trappes sont totalement autorisées, le TP qu'il est interdit, le crash est interdit, les trappes sont interdites. Les forces 2 sont désactivées, il y a un cooldown de 1 minute 30 sur les pommes cheat. Et du coup, ce que je vous ai expliqué, la moitié cobblestone 32 durera pendant l'event purge, du coup voilà, par rapport à ça. Au niveau des autres infos, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc là, au niveau des warps, donc là, il y a les différents warps que vous pouvez voir.
La liste de vos achievements, donc voilà, donc ça c'est différents achievements que vous pouvez réaliser. Ça c'est les votes, donc c'est pour voter. Tac, voilà. Là c'est la boutique Phantom que je vous montrais juste après. Les events, je vous les ai montrés. L'HDV, donc un peu customisé, assez stylé. Et la liste des kits, donc là pour tous les kits ainsi que les acheter. Après, donc il y a aussi un système de jobs sur les serveurs qui vous permettra d'XP différents métiers. Donc là, ça peut à chaque fois être au niveau max 200. Et puis ça vous permet de gagner de la monnaie. Donc ça, c'est plus pour ceux qui ont envie de farm. Du moins, vous pouvez prendre un petit job. Du coup, voilà par rapport à ça. Il y a aussi un système de quête. Donc voilà, donc, et avec un système de quest shop. Donc accès à des clés. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir la meilleure clé. Donc la clé légendaire qui vous permettra d'obtenir un des items légendaires qui est là-bas. Que je vous montrerai juste après. Mais du coup, vous pouvez acheter différentes quêtes. Par exemple, là, il faut 400 points de quête. Soit 40 quêtes à réaliser, si je dis pas conneries. Parce qu'il y a 10 points de quête à chaque fois. Et il n'y a pas de... comment dire, c'est pas parce que c'est des je sais pas, une quête expert qu'il y aura plus de points de quête à gagner sur une quête débutante qui aura autant de points. Il y a aussi un nouveau système dans le F menu, donc en gros ça c'est un nouveau menu qu'ils ont rajouté pour les factions. Donc vous pouvez voir les membres ainsi que les factions alliées juste ici. Ici vous pouvez voir le chef de faction, donc ça c'est moi, donc voilà. Le palmarès des meilleures factions, donc ça c'est le classement, donc il n'y a pas encore de classement faction, donc ça sert à rien. Le warp des factions, donc ça c'est quand vous mettrez des slash F7 warp, donc quand j'irai mettre, donc je crois qu'il faut avoir une amélioration si j'ai pas compris, mais il faut avoir un déclame, ouais c'est bien ce qui me semblait. Du coup en gros vous claimez une zone, vous mettez un petit F7 warp et du coup en gros vous pouvez avoir tapé, ça vous permettra de différencier du FOM. Par exemple si vous voulez une farm en hauteur, et ben du coup au dessus de votre FOM vous avez juste à le mettre, comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir un accès spécialisé pour ça. Vous avez aussi un FCS, donc avec un coffre de faction, donc je peux pas vous le montrer mais c'est équivalent d'un coffre mais que toute la faction peut ouvrir. Du coup voilà par rapport à ça. Ça c'est les améliorations que je vous montrais. Après ici vous avez les guerres de factions, donc en gros c'est pour affronter d'autres factions. En gros d'après ce que j'ai compris, donc c'est encore en test, c'est un événement qui arrivera pas forcément dès le début, mais qui arrivera par la suite et qui est encore en test comme je vous le dis. En gros c'est un événement durant lequel par exemple il y a une phase, c'est pas vraiment un événement, ça peut durer n'importe quand. En gros imaginons que moi la KBG et puis je sais pas une fac random, donc la random on va dire c'est comme ça. On a envie de se combattre, on a envie de se défier parce qu'il y a eu des bon on a envie d'avoir un peu de challenge. On parie tous les deux par exemple 5 points faction. Et du coup on envoie les 4 meilleurs joueurs de la faction, donc qui savent bien PVP. Et la faction qui l'emporte, qui sont les derniers à résister à ce fameux PVP, remportera les points faction de l'autre. C'est-à-dire que au lieu de perdre vos 5 points faction, vous gagnerez 5 points faction et la faction perdante perdra ses 5 points faction à elle. Donc ça c'est vraiment assez stylé pour partir des points de faction. Après vous avez des quêtes de faction, donc voilà, donc par exemple les quêtes mineures comme vous pouvez voir. En plus de ça il y a un petit classement, donc ça c'est un petit challenge que je trouve assez stylé. Et ça permet aussi de remporter des points classement, et ça c'est les statistiques de la faction. Mais du coup on va passer directement aux améliorations. Donc en gros vous avez le drop x2, donc ça ça permet de dropper plus d'items dans, donc, quand vous tuez je crois des mobs. Ouais c'est ça, donc quand vous êtes dans vos claims. Ici c'est pour débloquer le coffre de faction, ici c'est vitesse de plantation qui est augmentée. Ici c'est l'XP double dans les claims et ça c'est la notification sur Discord. En gros en fait ils sont en train de, bon c'est encore en test aussi, c'est pas fini d'être mis à jour. Mais du moins en fait imaginons que vous faites assaut, votre BP, enfin du moins vous avez acheté ça. Et ben en fait par Discord vous allez recevoir une notification en vous disant qu'on est en train de se faire piller parce qu'il y a une TNT qui a explosé. Et ça franchement c'est à dire que vous pouvez assaut à minuit et une personne qui peut se connecter à minuit pour se connecter et recevoir directement la notification, donc ça c'est vraiment stylé. Donc gare à vous si vous jamais vous faites péter une TNT qui est la faction à cette amélioration. Du coup le FK je vous l'ai présenté, ça je vous ai présenté le FF grade et ça aussi du coup on est bon. Bon on va passer directement aux items légendaires, donc avec les différents achievements que vous pouvez avoir. Donc voilà par rapport à ça, donc ça c'est tous les items légendaires qu'il y a sur le serveur que je vais vous présenter. Du coup il y a l'arc anti-pack qui empêche le joueur de un joueur, donc par exemple quand vous touchez le joueur avec la flèche pendant 20 secondes la personne ne pourra pas jeter de perles et il y a 20% de chance pardon que ceci se réalise. Et il y a un système de, je sais pas où est le fragment, tiens les items ont disparu, mais du moins il y a un fragment qui vous permet d'améliorer du coup les spawners. Il y a une dague de chasseur, c'est une épée qui one shot les mobs. La guillotine permet de récupérer la tête du joueur, la dague du voleur vole l'XP du joueur tué, le hammer casse en 3x3x1, la pioche spawner récupère les spawners, l'obsidian breaker casse plus vite l'obsidienne,
Il y a une pioche légendaire, donc FI8, Breaking 5 et Fortune 3. Last Mail Pickaxe, cuit instantanément des minerais. Magnet Pickaxe, récupère les items et miner directement dans ton inventaire. La Dague Wither, vous avez 20% de chance de l'effet Wither. Forme ou casse et automatiquement, d'accord. En gros, c'est en gros ça casse et ça repose automatiquement les items et duplique vos minerais. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, ça doit être une autre pioche. Donc voilà. Il y a aussi une dynamique qui permet de lancer n'importe où, même dans un claim. Vous n'avez pas besoin de la poser, vous jetez, paf, et ça vous lance une dynamite. Enfin, vous savez à quoi ça ressemble une dynamite. Vous avez un claim finder qui permet d'indiquer le nombre de coffres dans un chunk d'un simple en droit, pardon. Et il y a un bâton légendaire qui vous permet d'ouvrir un coffre de manière virtuelle, même dans un claim. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est claim. Si je fais clic droit avec le bâton, je pourrais voir le coffre, mais je pourrais pas prendre les items qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, je tiens à vous le préciser parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Mais si jamais vous venez avec votre faction, du moins, normalement, je vous l'ai affiché en début de vidéo, du moins, je vais essayer. Il faut savoir qu'il y a un starter pack sur le serveur. Donc en gros, en quoi consiste ce starter pack, quand vous arriverez du coup sur le serveur, donc en fait juste avant l'ouverture du serveur ou même deux jours après l'ouverture du serveur, il vous suffira juste d'aller voir un administrateur. Et en gros, en quoi en consiste-t-il, tac, je reprends vite fait mon petit screen que je vous affiche maintenant aussi à l'écran. En gros, c'est pour les factions qui ont plus de 15 membres, vous pourrez obtenir du coup un spawner en zombie gratuitement, un spawner en squelette, un kit potion ainsi qu'une clé émeraude. Donc voilà par rapport à ça. Il faut savoir qu'au niveau du serveur, vous pouvez obtenir facilement des points en boutique. Vous pouvez voir rien qu'en votant, vous arrivez, vous pouvez même jouer solo. C'est pareil au niveau des factions, donc ça franchement c'est assez stylé. Il y a plein de trucs pour obtenir aussi à côté d'autres choses et franchement c'est assez stylé. Et je crois que j'ai terminé au niveau de ça. Et d'ailleurs j'ai pas précisé, mais au niveau du classement, il y aura aussi les points achetables. Donc sur la boutique, je vous montrerai juste après. Mais en gros, les points, ils sont pas encore fixés au niveau des prix. Mais du coup, en fait, ça sera plus cher que si jamais vous farmez avec les événements. Au niveau des points faction donc, et de la boutique Farm Twin, du coup, si je suis en slash boutique, vous pouvez voir qu'il y a tous les grades achetables. Donc voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez et vous aurez toutes les informations sur les grades en question. Du coup, voilà par rapport à ça. Vous pouvez acheter aussi des kits. Donc voilà, tous les kits qui sont achetables ici. Vous pouvez acheter directement d'autres commandes autres que les kits ou autres que les grades du moins. Vous pouvez acheter aussi tous les spawners qu'il y a disponibles sur les serveurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment stylé. Vous pourrez acheter aussi des atouts. Donc en gros c'est l'effet que vous pouvez avoir jusqu'à votre mort. Vous avez l'effet de résistance au feu, jump boost, respiration sous l'eau ou l'atout de speed 2. Et puis vous avez aussi l'achat de clés si vous le souhaitez. Du coup voilà par rapport à ça. Je pense qu'on va dire pourquoi pas aller voir au niveau des crates pour que je puisse vous montrer au niveau des quilles tout ce que vous pouvez obtenir un minimum depuis la boutique en jeu pour que vous puissiez comprendre que les quêtes etc c'est vraiment pas pay twin et full farm twin. Donc je vais prendre l'exemple, je sais pas, donc par exemple la box Emerald, donc là vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs assez stylés où vous pouvez obtenir des choses dans le genre. Et je sais pas où aller la box légendaire, mais comme je vous l'avais montré, il y avait une box légendaire exprès. Ok, elle est dans le coin, ce que je vois, la box légendaire elle est là-bas. Donc ça c'est pour récupérer les items légendaires que je vous parlais, donc vous complétez 40 quêtes. Et là c'est tous les items que vous pouvez obtenir que je vous parlais de tout à l'heure. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment assez stylé. Bon bah je pense que j'ai fait assez le tour sur le serveur, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous le répète encore une fois, il ouvre le 18 janvier à 14h, l'IP est en description. Et au passage, ça je l'ai pas précisé, pour avoir des points boutique gratuitement, si jamais vous avez 5 invitations sur le serveur, vous aurez un grade prince. Donc quand je parle de 5 invitations, c'est sur le Discord. Et si jamais vous avez 10 invitations, c'est 10€ PB, 20 invitations, 20€ PB. Et ça franchement, pour se faire des PB gratuits et assez facile, c'est assez stylé. Et franchement, vous n'avez pas besoin de payer sur le serveur pour vraiment en avoir. Donc ça, c'est vraiment sympa de leur part. Il n'y a aucun pay twin sur le serveur et c'est full farm twin. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord ainsi que le serveur en lui-même le 18 janvier, je le répète, à 14h. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo si jamais celle-ci vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'est tout. C'était Gamma. Allez, salut.